Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dracolo. On se retrouve pour notre petite aventure multijoueur avec Brodef et Chobiti. Salut vous deux. Salut. Salut. Et on était sur le point de réaliser le rituel. Alors en off, j'ai juste bougé les ballons qui étaient à côté des lits pour les mettre à côté des autres ballons, comme ça on aura de la place pour les lits. Et on est parti. Je sais pas si vous pouvez le déclencher ou s'il y a que moi. Moi je peux le déclencher. Hein. Bah vas-y. Vas-y Brodef, alors, fais-toi plaise. Ah, avec une cinématique. Eh oui. Y'a la maison! Oh oh! Échec! On va retourner à la maison! Nouvelle quête, vaincre la créature. Là! On va le dépioter, hein. Je pense que là, il n'y a pas trop de doute. Et un succès! Ah, par contre, il y a une boule rouge, je sais pas ce que ça fait. Il a invoqué des trucs. Qui est juste avant de mourir en fait. Normalement. Non, pas la bouffe. Ouais, il tape sur la bouffe, scandale. En fait, normalement, ce monstre, on va le revoir après de toute façon. Quand il invoque des trucs, il se fout dans sa boule rouge et devient invincible, faut tuer les trucs qu'il a invoqués. Putain, il a mis 1000 life le homard quoi. J'ai plus de graines. Moi j'en ai. Non, mets-en pas. Faut qu'elle se vide pour qu'on fasse les serres. Yes. Ah oui, d'accord. Pas trop tard. Bah, c'est pas grave. Bon, après, ça nous fait de la réserve de nourriture, mais ça consomme beaucoup trop là pour ouais. En fait, ah. Pour deux jardinières, on peut faire le une serre. Le piaf, il a une quête. Ah, exact. Ça a dû changer maintenant. On a fait le rituel. On a réussi. Tu lis, Brodef, ou je lis? Je sais pas si t'as déjà passé. Ah, j'ai commencé à passer les trucs sans lire, donc je te laisse lire. Alors, je ne les comprends vraiment pas, nous étions si bien ici, mais ils ne jurent que par le feu et le soufre, ils n'ont aucun sens de l'harmonie. Ça va être compliqué pour toi, malheureusement, ils surveillent le voile, tu ne pourras pas rentrer tant qu'ils seront là. Les dragons ont leur propre mode de transport dans le Hollow, ils peuvent t'emmener en lieu sûr le temps que tu te renforces. À ton arrivée, une amie viendra à ta rencontre, elle peut paraître intimidante, mais avec toi ça ne durera pas, elle sait reconnaître les personnes honnêtes. Et on a une nouvelle quête du coup, voyager vers la nouvelle région. Alors, il est utile de dire que si on le fait, c'est fini après, on reviendra plus ici, donc il vaut mieux qu'on. Soit qu'on se dit on a fini ce qu'on avait à faire, soit qu'on finisse de tout piller. Il nous reste deux toutes petites îles en haut à explorer, je pense que c'est pas forcément. Enfin, on peut aller ouais. Les explorer, pendant que par exemple, il y en a un qui ramasse les points de passage. Après, t'as quoi? T'as que du loot hyper basique dedans. Ah, c'est vrai qu'on le voit, ouais. Il y a des graines. Ah, il y a une cache dans la deuxième. Il y a une cache à gauche, ouais. Puis quand, si on fait les niveaux d'invasion, on peut avoir des plans aussi. Mm. Ouais. Bon, on se finit ça dans cet épisode, et puis l'épisode prochain, on décolle. Ça marche. Allez, en avant. Comme ça, ils finiront leurs graines tranquillou. Donc là, c'est tout le temps à droite, c'est ça? Exactement. Et tu disais pas que c'était tout le temps à gauche et dans l'autre sens, ce serait tout le temps à droite? Bah, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Puisque là, on est dans l'autre sens. D'accord, donc c'est à l'aller, c'est tout le temps à droite et au retour, c'est tout le temps à gauche. Bah oui, puisque quand j'ai dit ça, Brodef était perdu pour le retour. Ah, mais. Moi, j'y étais pas, donc je sais pas où on était. Vous étiez déjà au camp quand il m'a dit ça. Bah alors, on suit pas ses propres indications? Bah c'est clair, on n'est pas allé à droite là. Ah là là.
Du coup, la prochaine c'est par où ? Par là-bas. Après, avant de partir, c'est sûrement qu'on récupère les points de passage, mais on pourra le faire plus tard. Putain, la vache, la plage est infectée. Vous êtes prêts ? Oui. Je le transporte. Oui. Allez, go. Elle tire avec les trucs qui apparaissent, quoi. Ah, il commence à être un peu plus costaud, les ronces, là. Donc, toi, je t'ai vu. T'essayes de me le charger. Ah, il y a un camion, mais je pense qu'on s'en fout un peu. Bah, disons que si on n'a pas le temps de le ramasser, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. On va regarder ce qu'il fait. Il y aura un raid de 7 minutes 30. Je pense qu'on a le temps de au moins vider cette île, peut-être même la suivante. Je vais le regarder histoire de l'activer. Voilà. Ce merde est une toute petite maison. Y'a rien de caché. Non. On pète les vides parce qu'on est quelqu'un de tout à fait délicat. Invitez le signe chez vous, il vous pètera les vitres. Vous avez des vitres à casser ? Avec plaisir. Bah, les gens souvent ils ont pas des vitres à casser. Hein. Oh, écoute, faut tout avoir. Hein. Et de rendre service et tout, et bam. Alors, et celui-là, il fait quoi? Du tissu aussi, ouais. C'est deux camions de tissu, on n'est pas en déj de tissu. Bien joué, Bourdeuf. De la malachite et de la jade taillée. Bon, t'as vu que dans les cristaux, t'as aussi des niveaux? Oui. En fait, quand tu donnes tes cristaux, cristaux 1 c'est pour passer de enfant à ado. Ouais. Le niveau 2 c'est pour passer de ado à adulte, et ainsi de suite. Ouh, un mat de tente à 175. Oh. Bah, on commence à avoir du bleu là. Ouais. C'est chanceux ça. Chanceux, c'est vraiment. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? Bon, la hache est quasiment finie. Je vous attends sur la plage. Il reste. Ah bah, il reste un numéro qui s'est. Adieu, marteau! Ah bah, tiens, il y a une pêcherie avec un homard là. Ouais, mais il est bien abîmé. On va en face du coup, c'est l'idée? Ouais, bon, il nous reste 5 minutes, c'est largement assez. Tu lead, Moulaf? Ok. Venez. Il va pas en ligne droite. Moulaf, il court en diagonale, quoi. Oh la vache. Eh non, monsieur l'agent, j'ai rien vu. Dans ces deux-là, je pense que ça va être tendu. Un gros. Ah putain, c'est trop long. Mais petit. Ah oui. Le teigneux, il est teigneux. Je veux pas mourir. Non, il y a eu un loot en plus. Allez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, un loup. Voilà. Un loup ou un loot? Un loup. Et il y a des ronces sous la maison, quoi. Les salauds. Alors ici, il y a un camion de débris métallique. Je pense que ça serait peut-être le seul vraiment rentable, mais bon.
pas sûr que ça vaille le coup de se faire chier. Ah, t'en as claqué une. Ouais, j'en ai claqué une. Ah, t'es tombé dans le... dans l'éther. Bah, y'a deux ronces. Non, non, mais y'avait deux ronces à... Ah, deux ronces dans l'éther. Oh, ah, là aussi. Même d'autres. Ouais, oh. Bordel de cul. Bah. Aïe. Le signe noir game mort. Bah ouais. C'est parti en couille. Bah je finis ça et j'essaie de trouver ton cadavre. Bah je suis à l'entrée de la maison, il y a une embuscade et... malheureusement... dans la maison. Le tromblon a tiré sur les ronces derrière et pas sur les mobs. Parce que quand ils apparaissent, ils ont un petit temps d'apparition là. Oula. Ah oui, en effet. Moi aussi j'ai glissé. Mais... ah bah... on va mourir tous les trois. Ah, on est tous les trois morts, c'est ça? Oui. Bon bah écoute, je suis en train de revenir avec le truc, je vais essayer de nettoyer puis de vous ressusciter du coup. Je suis plus qu'à 600 mètres. Je sais pas pour vous, mais moi, une fois que je suis mort, j'entends plus un bruit. Non, il y a juste le bruit du slide. Il n'y a plus rien d'autre. Ah, t'as aussi t'as une petite musique doun doun. Ah bah après, j'ai ouais, compris, peut-être qu'on l'a peut-être baissé pour le record du coup, nous deux. Ouais. Mais elle est vraiment très basse. Ah si, elle vient de pop, moi. C'est fait pour après, je pense. Alors, déjà, je commence moi par ressusciter. Hop. Oh bah il reste plus grand monde, vous avez bien fait le taf déjà. Ok c'est fait, alors où sont vos cadavres? Ah oui merde, attends c'est plof. Parce que sur la map je vois pas vos cadavres, je vois... Les bras de filet où? Je le vois pas, ça tombe. Ouais je vois pas dans la cour de la dans la cour de la maison. Ah oui, la vache, t'es là. T'étais juste à côté d'un poteau, je crois que c'était un poteau du coup. Brodaf a trouvé un plan. Lampadaire, c'était moi. un joli petit lampadaire effet pierre tombale. Et bah y'a du loot en tout cas. C'est la fête. Normalement, il y a une note. Ah, il y a peut-être pas. Ah. C'est peut-être aléatoire les notes. J'avais eu une note moi en dessous de la maison. Ouais, c'est aléatoire les notes. Ah, bah par contre, il y a un plan du coup. En dessous de la maison. Et au-dessus de la maison, il y a un plan aussi. Parfait. Du coup, il nous reste un peu de. Ah, oui, là, il y en a une. Je te vois. Il reste quelques graines. Ah oui, j'avoue, elle est dans le camion quoi, j'avais même pas fait gaffe. Elle est ici, hein. Un petit poubelle. Ah voilà, plein de graines. Ah, elle est là, la dernière, en plein milieu de l'éther. Je vais chercher. Allez, du coup, allez. T'as pillé la maison? Oh putain, ça va apparaître là. Allez, on ramasse, on rentre. Ok, c'est bon. Oui, vous avez pillé la maison. Oui, la maison elle doit être pillée. Il y a un coffre encore. Où ça? Dans l'eau, dans l'éther. Ah, dans l'éther. Tu vois qu'on allait le chercher en speed, il en reste une minute 40, ça se fait. Hein. Et où ton coffre, celui qui est là-bas là? Attends. Oui, c'est celui qui est là. Non. Je suis en dessous de vous. Ah la vache, ça pique. Bon, j'ai activé ça. On va claquer tous les trois. Ah merde. Bah, triple panique. Demi-tour. Ça va être chaud.
2, 1. Hop là. Voilà, parfait. Du coup, si on va ici, on a directement un petit chemin pour rentrer avant l'invasion. Ah mais encore plein de mobs, c'est pas ce bordel. J'ai... Oups. J'ai oublié de rééquiper mon arme. Ah, t'étais avec tes points. Je me disais, dis oui. Donc, tu tapes beaucoup pour un DPS limité. Hop. Quand vous voulez. Ah, c'est bon, j'ai repris une arme. Ah, la petite canne à pêche avec le... Les appels au pou. Excellent. Tiens, on n'a plus assez de divertissement. Ah, il doit plus y avoir assez d'électricité sur nous. Bon, normalement, il doit y avoir. Il y a des champis ! Des champis ! Allez, on doit pouvoir prendre un petit slide. Merde, raté. T'es sérieux ? C'est là où j'ai passé 10 minutes la dernière fois. Easy, franchement. Ça marche pas. Moi j'ai réussi, c'est forcément que ça marche. Ah voilà. Ici c'est pas le bon par contre. Allez. Parce que là on a aucune défense par contre. S'il se pointe, il rase tout. En plus, ça va être une invasion niveau 5, je crois, ou 6, je sais plus combien on a monté. Je vous ai dit que c'était toujours à gauche. Mais non, mais j'y arrive pas, c'est trop loin, c'est trop dur, je suis perdu dès le début. La neige, elle est trop molle pour moi. Ouais, mais la neige, c'est facile, Chobiti, elle a fait fondre avec ses flammes, mais... Ah, juste à temps, arrêt en cours. La vache, c'était tendu, ils sont ouf. Ok, ils sont pas encore apparus. Moi je suis encore à 300 mètres. Ça y est, ils sont là. Moi je suis seulement à 1200 mètres. Ah putain, ils arrivent. Chacun son tour pour porter ils la sont croix. 34 quoi. La vache. J'arrive. Si je me perds pas, j'arrive. Ça va être tendu. Ok, première vague c'est géré. Si je me perds pas et que je meurs pas dans les terres. Ah. Attends, tu fais des pièges avec tes camions ? Bah j'ai pas de ma faute, enfin c'est pas moi qui décide de les mettre les camions. Ah l'arme qui se casse, mais vous êtes sérieux, tiens, une canne à pêche. C'est peut-être pas idéal une canne à pêche. Ah merde, t'es mort ? Ouais, non, mais c'est bon, vu que c'est au camp. Ah bah, je suis morte aussi. Oh là là. Ah, bah. Du coup, je me ranime au camp. Hein. Ça me permettra de revenir au moins. Oh là là, ce nombre de mobs là. Ah bah, c'est pareil, moi je vais crever. Hein. Je pense. Il suffit que je prenne un coup. Hop. Voilà. Chobiti. Je vois vos fantômes. Bah oui, puisqu'on est des fantômes. Ah non, moi je suis pas un fantôme. Enfin, j'ai vu un fantôme en tout cas. Ouais, l'arme bleue, ça fait plaisir quand même. Ah, moi j'ai oublié de changer d'arme avant, je suis encore en vert. Ah, ils m'ont retué. Bah ouais, on a vraiment rien pour se soigner là. En plus, les grosses saloperies, ils font mal. Hein. Les défenses sont tenues quoi, enfin j'aurais pas cru. Putain. J'ai une besace. Non, mais c'est pas la roue d'exercice que je veux, c'est à mort. Ouais, là je pense qu'il va falloir passer au niveau de défense supérieure, effectivement. Après on peut commencer à faire des bunkers pour qu'ils tirent sur les ennemis. Donc, ça va être un petit peu plus fun, je pense.
Ça, ça va, ça en répare. Ouais, courir un peu sur les trucs là. Ouais, mais bon, vu qu'il y a plein de trucs à réparer. Du coup, on n'a pas le droit de les remplir, les. Non, les jardinières, on va les démonter. Bah, elles sont toutes vides alors. Pourtant, il y a des plantes encore dedans. Oui, mais elles sont ça se termine dans 11 secondes, celle-là, on va voir si ça fait quelque chose. Tac, tic, tac. Ça n'avance plus. J'ai planté ? Vous m'entendez encore ? Oui, oui, on t'entend encore. Ça n'avance plus 11 secondes, c'est quoi ce délire ? Non mais ça doit être parce que c'est plein, c'est vide, c'est... Ok d'accord, c'est parce que c'est vide donc du coup c'est en secondes si on en remet. Démontons. Et on démonte. Donc on y est, on va démonter ce truc là aussi. Voilà. Normalement il y a tout qui est en cours de réparation là. Nickel. Alors on va poser... Une jardinière, deux jardinières, non, un homard. Hop, voilà. Oui, parce que le homard, il y a besoin que d'électricité et d'eau au final. Ouais, c'est... mais le problème c'est qu'on est un peu en déche de, d'électricité malheureusement. Enfin, les trucs pour fabriquer de l'électricité, c'est pas dingue ce qu'on a quoi. Mais ça va s'améliorer après. Alors, on récupère. Non, l'arrivée d'eau, on la récupérera chez le homard. Hop. Toc, et électricité. Ouais, il nous faut un plan pour la batterie. Ouais, mais la batterie, attention, elle produit pas en fait. Elle fait que stocker. Source d'énergie plus 3. Bah oui, elle produit. Elle produit, hein. Non, j'ai essayé. Elle stocke. Et après, elle redistribue ce qui est généré par les, par exemple, par les circuits électriques qui tournent pas la nuit, quoi. Ah. C'est logique. Ce qui est logique vu que c'est une batterie, quoi. Mais aussi, moi aussi, je pensais la dernière fois, il me fallait juste 3 d'énergie, donc je me suis dit tiens, je vais essayer. Et en fait, elle produit rien. Et elle se contente de. C'est marqué quoi, petite batterie. Bah ouais, pourtant elle est bien marquée, on fournit 3 énergies. Bah oui, je sais. Mais si tu regardes dans le l'arbre des technologies, ça te dit... ça permet de stocker l'énergie. Oui, mais elle te dit aussi fournit énergie 3. Ah, mais c'est qu'elle doit stocker 3 et... Elle doit stocker, je pense qu'elle stocke 3. Ouais. Et en plus, ça coûte 12 circuits électriques, c'est vraiment, vraiment pas rentable, honnêtement. Donc faudra attendre plus longtemps ouais, pour avoir une meilleure source d'énergie. Je pense qu'on devrait avoir de quoi si on mettait tout le monde à monter là, mais... on pourra le faire, on aura une quête le prochain truc qui nous dira... si donc, tu montais de niveau. Il nous reste juste une île à nettoyer avec deux trucs de graines et un peu de baies. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Il n'y a pas de plan, le camion il fait de la ferraille. Ouais mais on le reliera pas. Ce qu'il faudrait qu'on fasse éventuellement c'est qu'on récupère les... On récupère les points de passage maintenant. Mais je pense que je vais le faire vu que a priori vous vous paumez un peu. Pas vrai, je paume pas du tout. Mais je le ferai peut-être en off, en speed quoi. Ah oui, encore cette île, on l'a découverte, Mill Road, mais on n'a rien fait dedans, quoi. C'est pour ça qu'il y a 28 d'invasion, ça va être un peu la teuf. Ah mais on en a deux. Ah non, si, on en a deux qui s'appellent Mill Road. Ouais, c'est le Mill Road qui est tout en haut à droite, dont je parlais. J'ai mis des... celui qui fait les murs, je lui ai filé des cristaux, mais je l'ai pas fait passer adulte encore. Ah, celui qui renforce les murs là. De toute façon, c'est partagé, donc si on n'a pas ce qu'il faut, je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut. Malheureusement. Contre le bûcheron, c'est bon. Je l'entends être content.
Oh, je suis sur les slides donc je l'entends pas. Ah si, ça y est, ça m'a rattrapé. Bon, après ce truc là, pour le coup, je m'en suis jamais servi quoi. Coup critique contre l'environnement. Alors, y'a qui d'autre qu'on peut augmenter? Bah, ça veut dire contre les ronces aussi. Ah oui, complètement, ouais, contre les ronces. Ouais. Ça sert quasiment qu'à ça. Hein. J'ai pas coupé des arbres pour le trip, mais. Toi, viens là. Gilette. Allez, on y est presque. Ouais, c'est voilà, normalement là, on est au bout. Succès déverrouillé, spécialiste de la glissade. Tiens donc. C'est celui avec les 50 km de glissade ? Glisser sur 50 km, ouais, c'est ça. Donc ça tient compte de toutes les parties. Probablement, ouais. Alors maintenant, faut que j'arrive à monter sur ce putain de caillou. J'avais réussi la dernière fois. Hein. Un mort, viens là. Est-ce que on peut t'améliorer, toi? Non. Ah bah non, c'est les murs de fer. J'avais déjà fait. Bon, je crois qu'on peut pas leur filer plus d'amélioration à des dragors. Non. Bah tant pis, hein. On trouvera ce qu'il faut à la prochaine map. Putain, mais je suis quasiment sûr que j'avais réussi. À moins que la pie affile des trucs, je vais voir ce qu'il y a avant. Non, je crois pas qu'elle donne des cristaux. Bon, ok, visiblement. Alors, elle vend des graines, on pourrait, je pourrais en acheter pour la serre. Bon, celui-là, on va le laisser tomber, c'est pas grave. On va récupérer le prochain qui est là-bas. Après, oui, je suis con, je peux que je fasse ça. Eh. Allez, traversons à pied du coup. Et voilà, une graine. Un petit peu de roseau ici. Hop. Des baies. Choupi qui est pêche des homards. Oui. Tu peux pêcher des homards? Non, mais elle est à côté du truc avec sa canne à pêche. Ah. Je vois. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne manger les homards. Hop, démonter. T'es relou, toi. Merci de mourir. Mais comment tu nous parles? Ah non, mais c'est bon quoi. Il m'invoque plein de trucs dans les pattes. C'est pas ce que j'appelle un comportement très très gentil. Alors ici. Hop, on le ramasse en speed, ça va quand même être tendu. 6, 5, 4. Non, ça passera pas. Merde. Oh, c'est trop loin. Dommage. Et c'est trop mimi, il y en a un qui joue à la corde à sauter avec ses bras. Ici, je crois qu'on avait ouais, que des... Oh, mais il y a un coffre ici. Genre on a nettoyé une embuscade, on a pas pris le coffre quoi. Oh. Hop. Non, échec, putain. Du coup on fait voyager et puis on te laisse là, c'est ça? Je pense que ça m'emmène, mais Ouais, y'en a un qui vient servir, il vient manger en bar, scrum scrum scrum. Là aussi on avait laissé le coffre. Au niveau du terrain de baseball. Mais c'est quoi c'est... Comment on a pu laisser tout ça? Je sais pas. Tout ce loot. Hop. Voilà,
Voilà, comme ça vous vous perdrez plus, il n'y a plus de point de passage compliqué. Toute la cabane de chasse avec ses 2000 camions là, c'est géré. Il va falloir un autre par contre là. Hop. Alors ici attention parce qu'il y a une embuscade aussi. Hop. Il est en plein dans l'embuscade je crois le point. Ah mais il y a un loot aussi. Ah c'est pas possible, il y a dû y avoir un truc. Genre on doit activer les embuscades quand on passe et si on ramasse pas, enfin si on les tue pas quand ils disparaissent, le loot doit arriver, ça sent le bug, hein, je pense. Je vais t'aider, je vais essayer de retirer celui-là du camion. Me coupe pas mon chemin. Non non, c'est un qui est en bout de ligne. Ah ok. Si je retrouve comment on fait, c'est quoi, c'est X ? Non non, tu vas dessus, tu fais interagir et t'as démonté. Tout simplement. Bah, j'ai que relier le camion, alors qu'il est déjà relié. Ah non, c'est sur les points de passage que tu peux le faire. Ah d'accord. Non, les camions tu peux juste les relier, tu peux pas les dérelier. Tiens. Merci de décéder. Ici... Ah oui, t'es là, je te vois. Démonter celui-là, t'es en train de démonter l'autre. Hop. Nickel, travail d'équipe. Alors il y a celui-là, et après on sera sur le bout de l'île. Bah non, ça c'est un camion. Et on va être sur les derniers là normalement, on n'est pas oublié. Non. Toc. Ah putain, il y a un truc qui est apparu. Fèche. Non non, je t'attendais. Ah. Bah, je me suis dit que si je démontais pendant que t'étais loin et que t'avais... Prépare-toi, il va falloir. Voilà, hop, go. Ouais, si je démontais pendant que t'étais loin, bah ça coupe le chemin du coup. Mais vu que je ne peux pas le prendre, vu qu'à chaque fois que je démonte ça disparaît, c'est pas trop gênant. Oui, mais je me suis dit que si tu tombais à court d'égide, ce serait problématique. Ah là, effectivement, ouais. L'autre, je crois qu'il fallait prendre les escaliers pour rentrer dans la maison. Où est-ce qu'ils sont les escaliers? Allô? Voilà. Il se cache. Hop là. Hop. Et du coup, il n'en reste plus qu'un. Et on sera bien. Hop. Nickel, bah du coup on va pouvoir l'arrêter l'épisode là et bah première chose qu'on fait lors du prochain c'est emporter le camp dans une nouvelle région. Ça me paraît pas mal. Ça vous va ? Ouais, ça marche. Allez du coup. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardé, j'espère que ça vous plaît. Toujours autant, en tout cas, ce jeu est vraiment sympathique, je trouve. Tout et à fait. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.